Eh bien, salut tout le monde, c'est Notman. Enfin on se retrouve sur Project Zero, jeu que je voulais faire putain de dieu de foutre de bordel depuis sacrément longtemps. Pour tout vous dire, j'avais prévu de faire ce jeu-là avant avoir commencé Penumbra sur ma chaîne, pour vous dire, hein, c'est un jeu que j'ai depuis septembre 2011 et auquel j'ai à peine touché. Hein. On est en août 2012, hein, à l'heure où je fais le let's play, là. Et bon sang, ça fait vraiment du bien de se mettre dessus, là, pour de bon. Alors, Project Zero, qu'est-ce que c'est? C'est donc un bon gros survival horror dans le style japonais. C'est un jeu qui a été développé par... merde, attends, qu'est-ce qu'il me fait, là? Ah, il me balance la cible. Non, ta gueule, je veux pas savoir. Voilà. Donc c'est un gros jeu développé par... je vais appuyer sur Start, comme ça, il ne le fera plus. C'est un jeu développé par Tecmo, édité en France, enfin, ou en Europe, en tout cas, par Wanadoo. Enfin, oui, je sais, ça peut paraître bizarre, mais bon. Il est arrivé chez nous via Wanadoo, il n'y a que Wanadoo qui a eu les couilles de sortir ce jeu chez nous, on dirait. C'est un jeu qui est sorti en 2001 au Japon, je crois, et en 2002 chez nous. C'est sorti d'abord sur PlayStation 2, puis sur Xbox en 2003. Alors, Project Zero, c'est un nom qui est vraiment... qu'on l'appelle comme ça qu'en Europe, hein, puisqu'au Japon, il est connu sous le nom de Zero, et aux États-Unis, il est connu sous le nom de Fatal Frame. Donc Project Zero, c'est un jeu que je voulais faire depuis bien longtemps parce que c'est un des jeux qui, un des jeux, comment dire, qui a en quelque sorte révolutionné, qui a apporté vraiment quelque chose au survival horror. Hein. À la base, on avait eu Alone in the Dark qui est arrivé, ensuite on a eu Clock Tower qui a apporté sa petite patte. Derrière, on a eu Resident Evil, Silent Hill, et ensuite on a eu donc Project Zero qui est arrivé et qui a foutu une grosse influence japonaise dans les dans le survival horror. Alors Project Zero se base donc sur tout ce qui est les rituels Shinto, hein, tout ce qui est le Shintoïsme, hein, qui est la religion la plus répandue au Japon et accessoirement la plus ancienne. Je pense que vous avez dû voir, hein, tout ce qu'est les sanctuaires Shinto, hein, en lisant des mangas ou en regardant des animés, enfin je sais pas, ces genres de temples là. Donc ça se base pas mal là-dessus. Et sur les Yurei, qui sont donc des fantômes japonais, qui sont... comme on pourrait donc dire, des personnes souvent mortes de manière assez violente et qui sont pleines de regrets, de tristesse et de colère et qui perdent leur enveloppe charnelle mais restent dans le monde pour hanter les vivants. C'est le genre de personnes, enfin c'est un jeu, comment dire, de personnes, qu'est-ce que je raconte, de fantômes qui est assez populaire au Japon et qui a été beaucoup popularisé dans l'Occident depuis le film The Ring de Hideo Takahashi, sorti en 1997, hein, avec cette vision du Yurei blanc, une femme avec un peu blanchâtre, avec de longs cheveux noirs qui lui recouvrent le visage.
Donc ça a été popularisé par ça, et ça s'inspire d'ailleurs de la filmographie japonaise, hein, donc à savoir The Ring et Ju-On. Chose, Projet Zero se base sur des faits réels. Donc ça se passe dans le manoir Imuro, qui est un manoir situé un peu à flanc de montagne dans une forêt, pas loin du village de Choko, dans le sud de la préfecture de Tokyo. Et c'est un manoir qui a beaucoup il y a beaucoup de rumeurs bizarres, de trucs bizarres qui se sont passés. Donc ça viendrait donc apparemment d'un riche propriétaire qui avait ce manoir là à l'époque. Et ils avaient l'habitude de pratiquer donc des rituels Shinto pour apaiser des démons. Et un jour, un rituel aurait mal tourné. C'est des rituels assez sanglants, hein, d'après ce que j'ai entendu. Un jour, un rituel aurait mal tourné et le propriétaire aurait simplement pété un câble et aurait tué un peu tout le monde, tout le monde dans le manoir. Et depuis, c'est passé pas mal de choses. Hein. Notamment, il y a une histoire comme quoi il y aurait notamment des chasseurs de trésors qui seraient partis à la recherche de certaines choses dans le manoir et qui auraient été retrouvés morts. Donc c'est des histoires un peu bizarroïdes, et le manoir est pas franchement approché, enfin même pas du tout approché des villageois, et reste à l'abandon. Donc Projet Zero se déroule dans le manoir Imuro, où dans le jeu, là cette fois-ci dans l'histoire du jeu, on a Monsieur Takamine, qui est un célèbre romancier, qui est parti faire des recherches dans ce manoir, comme source d'inspiration tout simplement, et donc ce romancier a disparu. Et donc on a derrière Mafuyu, dont je ne me souviens plus le nom de famille, qui part à la recherche donc de son mentor, parce qu'il est inquiet tout simplement, et disparaît à son tour. Et nous donc on va contrôler Miku, pas Miku Hatsune, hein, Miku qui va partir à la recherche de son frère. Donc je précise également que la famille Amiku, son frère, sa mère, etc. ont des pouvoirs un peu spirituels assez spécifiques et qui leur permettent de voir des choses que les autres ne peuvent pas voir. Donc on va directement commencer un nouveau jeu. C'est la première fois que je fais le jeu, j'ai déjà fait le premier chapitre du jeu avec Mafuyu. Mais la suite, on va très rapidement arriver à un point où je connais rien du tout. Hein. Et ça me fait un peu chier d'ailleurs de faire ça parce qu'il fait encore pas mal jour et j'ai trouvé encore aucune solution pour cacher la lumière. Ça fait bien chier quoi. Mais bon, de toute façon, je trouverai bien une autre solution les autres fois. Alors on va commencer par les options. Commandes. J'avais regardé un coup les commandes. Ça n'a pas posé de problème. Vibration ok, son stéréo, volume. À fond les gamelles, merci. Luminosité. Luminosité de la télévision. On peut pas régler la luminosité directement dans le jeu, ça me fait chier, donc on va laisser comme ça. De toute façon, si c'est trop sombre, vous sur YouTube vous verrez absolument rien, donc bon, on va laisser comme ça, ce sera pas mal. Bon, on va commencer la partie alors. Let's go! I wonder how long it's been since my brother and I began to see things other people can't see. My big brother, he was so sweet and kind. He was the only one I could open up to about these visions. After our mother died, he was my only family. So this is Himuro Mansion.
brother was in search of someone. Junsei Takamine, a famous novelist, and a man my brother was very indebted to, disappeared while researching a book. When he told me that he got a lead on Mr. Takamine's whereabouts, I felt uneasy, like he was going far away. Forbidden rituals of this area. It looks like Mr. Takamine was doing research into them. I wonder if his group is still here. Je vous cache pas que je commence à avoir déjà des frissons. Les commandes. Hop, l'appareil photo, nickel. Alors, l'appareil photo, ça va être absolument affreux, parce qu'en fait, c'est le contraire d'un FPS, totalement sur console. En fait, normalement, le joystick droit sert à regarder autour de soi, et le joystick gauche sert à se déplacer. Mais là, c'est totalement le contraire, c'est le joystick gauche qui sert à bouger, et le joystick droit qui sert à avancer. Alors, ça va être bien galère pour viser les fantômes, ça je sens. Alors, pour shooter, je pense que c'est croix ou R1, je sais plus. Ça doit être ça, je pense. Ah bah tiens, c'est ça, nickel. Alors, quoi d'autre? On a... Comme ça, je me déplace plus rapidement. Et là... Ça, par contre, ça va être efficace, le demi-tour. Je vois bien le... tu sais, tu fais demi-tour comme ça, là. Comme ça, là. D'un seul coup, BAAAAH Fantôme. Je suis sûr que ça va m'arriver, hein. Ok. Et voilà, donc la particularité de ce jeu, c'est que on n'a pas d'armes et que la seule arme qu'on a, c'est un appareil photo. Et c'est un jeu qui joue beaucoup sur l'ambiance et que j'avais vraiment envie de faire, voilà, parce que c'est un jeu pareil, hein, qui est une licence culte du survival horror, vraiment. Alors le jeu est assez court de ce qu'on m'a dit, hein. Enfin, de ce qu'on m'a dit, de ce que j'en ai lu, tout simplement, hein. Le jeu est très court et va se finir assez rapidement. Déjà, il y a un truc là-bas. Et une boîte de films sur le plancher. Film de type 14. J'ai trouvé une film. Ouais, un film de type 14. Je dois pouvoir l'utiliser avec mon appareil. Commande, appareil 1. Prenez l'appareil, appuyez sur la touche rond pour cibler votre objectif et activer le mode viseur. Vous pouvez prendre des photos avec les touches croix ou R1 en mode viseur. En mode viseur, vous pouvez contrôler l'angle du joueur avec le joystick analogique gauche. Merci. Touche carré, tour rapide. Ouais, donc pour accélérer le déplacement. Touche triangle pour faire demi-tour. Utilisez le joystick analogique droit pour vous déplacer lorsque vous ciblez votre objectif. Encore une fois, merci pour l'inversement. Ou l'inversage. L'inversation. Accédez au guide d'initiation en sélectionnant phrase depuis le menu dossier. Carré pour courir. Il y a un masque à l'air fâché sur le mur. Alors, en bas à droite, je sais pas si vous voyez, il y a un petit carré en bas à droite, là. D'ailleurs, que j'éclaire avec ma lampe torche, là, actuellement, presque. Enfin, en bas à droite de l'écran. Qui se met à briller en fonction de ce que la personne voit. Enfin, s'il y a, par exemple, des indices à proximité, la manette va se mettre à vibrer et le truc va devenir bleu. Si un esprit approche, le truc devrait devenir orange. Alors là, je reviens là parce que j'ai la manette qui vibrait là. Bah tiens, elle vibre là. J'ai des petites vibrations. Je sais pas s'il y a un truc là. Ah bah tiens là, hop. J'ai un truc là. Oh!
c'est moi? Oh. Ça commence, allez. Attendez, je vais juste éteindre mon écran là parce que je fais la capture sur mon écran et puis il y a un petit décalage entre ce qui se passe sur ma télé et sur mon écran de PC là. Et ça fait chier parce que ça fait des vieilles lumières rémanentes derrière. C'est super relou. Donc je vais éteindre l'écran, ça va faire de la lumière en moins en plus. De la lumière en moins en plus. J'espère que vous aurez compris ce que j'ai dit. Enfin bref. En gros, ça sera mieux pour jouer. Alors là, non, je suis déjà allé. On va aller par là. Ça. C'est un point de sauvegarde, normalement. Et il y a pareil ici, je dois pouvoir prendre une photo. Ouais, une photo, une sauvegarde, quoi, en fait, c'est ça qu'ils veulent dire. Album. Ah oui, ça c'est l'album pour... parce qu'on peut enregistrer les photos qu'on prend. Je vais simplement sauvegarder. Fin 1. Ouais. C'est bien long. C'est un petit peu beaucoup long. Ça a planté. Non, je déconne. Ok, ça marche. Allez, on continue. Putain, un miroir, le truc que je déteste, quoi. Surtout dans un survival. Il y a un grand miroir, mais il ne reflète que mon image. Bah écoute, tant qu'il reflète rien d'autre, j'ai pas d'objection, moi, personnellement. Une vieille armure ici, ce n'est pas juste pour la vitrine. Elle en a vu des vertes et des pas mûres. Il y a un vieux masque de lion et autres antiquités. Le propriétaire était-il un collectionneur? Il y a beaucoup d'antiquités, elles avaient peut-être de la valeur autrefois. Les cendres sont encore chaudes dans, la cheminée, comme si elles avaient été utilisées récemment. Étrange. Effectivement, c'est étrange. Eh, je l'ai raté comme un con. Bah, je pense qu'il va falloir que je m'habitue aux commandes. Surtout que j'ai tendance à paniquer. Alors là, moi, je sais qu'il y a un truc là. Je l'avais déjà pris en photo et je m'en souviens. Il y a un spectre là, il me semble. Là, il est là. Non? Il y a un spectre là. Oui, il y a un... enfin il y a un truc au moins. Il y a le bidule qui réagit là. Là, ça se passe. Oh là là, c'est gueule. Il y a une vieille horloge ici, elle est arrêtée depuis longtemps. Il y a des toiles d'araignée.
he did come here. S'accumule. Les dégâts infligés aux fantômes augmentent au fur et à mesure que l'appareil accumule des pouvoirs. Des pouvoirs qui sont symbolisés par des genres de glyphes, je crois, qui se remplissent quand je vise le fantôme longtemps. Lorsque le fantôme se trouve dans votre viseur et que le cercle brille, prenez une photo. Vous pouvez causer de sérieux dégâts si vous prenez une photo lors d'un moment révélateur. Ce qu'on appelle, il me semble d'ailleurs que dans la version américaine, ils appellent ça un fatal frame. Ce qui est le nom du jeu, bien sûr. En fait, le moment révélateur, je crois, c'est au moment où le fantôme attaque. Donc, ce qui fait qu'il faut attendre le dernier moment. Putain de merde. Il est où? This camera. This camera has the power to expose things the normal eye can't see. I remember the incident from which I learned of its unique power to capture ghosts. J'aime pas ces angles de vue là. C'est pire que dans Resident Evil. Putain, faut vraiment que je trouve un moyen de cacher la lumière qui vient de mon volet là. Encore si c'était en hiver, ça irait. Ce qui ferait nuit tôt. Mais là, on était. La porte de l'entrée est ouverte, mais je jurerais qu'elle était fermée il y a un instant. Bah oui, puisqu'il l'a refermée derrière lui. From my brother.
left a note that led me to this place. I felt as though something was calling me here. Mafuyu. Ah putain, il y a décalage. Putain de décalage sur son image là. Bon, j'espère que ça va pas trop gêner. Normalement, ouais, avec le joystick droit, je peux diriger la lampe torche. C'est bon, on connaît le truc, hein. Une plante médicinale. On va pouvoir se soigner. Quand je fais le tour, hein. Il y a quoi, là ? Un grand trou dans le plancher dégage de l'air froid. Quelque chose est tombé à travers. Sauvegarder un coup, espérant que ça mette pas aussi longtemps. Non, c'est bon, nickel. Petit morceau de papier par terre, il doit provenir d'un bloc-notes. Note de recherche. 12 septembre. Une autre corde. Et une autre. D'accord. Investigation du manoir Imuro.
Le manoir Imuro appartenait autrefois à un propriétaire terrien influent de la région. Il semblerait que le site ait aussi une signification spéciale liée aux rituels Shinto de la région. Je n'ai cependant trouvé aucun livre décrivant ces rituels Shinto. Le dernier maître de la lignée des Imuro massacra toute sa famille. Plus tard, une autre famille qui s'était installée au manoir disparut. À cause de tels incidents, le manoir est désormais laissé à l'abandon. C'est peut-être pour cela qu'aucun document n'atteste des rituels Shinto et que l'emplacement exact n'est répertorié nulle part. 24 septembre. J'ai un mauvais pressentiment depuis que je suis rentré dans ce manoir. Je laisse des notes dans ce bloc au cas où il m'arriverait quelque chose. Je dois trouver Monsieur Takamine et les autres. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Il y a beaucoup d'autres notes et d'articles de journaux dans le bloc-notes. Homme sur la poutre, putain, mais c'est dégueulasse. Qui est donc cette femme? Masque de lion sur la commode. Il y a une boîte de médicaments près du masque de lion décoratif. Hein, mais... Ouais, c'est pas ce qu'il me semblait. On dirait... Je me disais de loin, on dirait Mafuyu, mais... C'est bien lui. Il y a une boîte de film devant l'escalier cassé. Là où il n'y a plus rien. Truc alors pour passer, on va aller par là. Faut que j'étais déjà allé par là. Encore une plante. Ah bah, si lui trouve pas la clé, comment tu veux que je la trouve, putain? Hop.